Bah c'est bien. Ça déjà, c'est une bonne chose de faite. Oh. Ouh là là. Bon, maintenant, on va aller faire... si on va aller tout casser maintenant. Incubation, rien à foutre. Ah, oh, ça va être un combat chiant, celle-ci. Oh mon dieu, des tentacules. Aïe. Enchevêtré. Ouais, mais faut bouger, quoi. Eh, c'est chiant ton sort, là. Ah, mais je peux t'attaquer quand même. Potion, 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 potion. Oui, une en moins. Allez, la deuxième. D'accord, j'ai compris. Ok. Messieurs, dames, qu'est-ce que je fais? Non. Oh. La main est trop con. Ouais, il faut les attaquer chaque côté et ensuite la momie qui va pop. Ouais, la momie elle va popper, c'est de là qu'elle donne tous ses OP. Bon, allez, réveille-toi. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Tout se passe très bien. Il me fallait un plan, c'est tout. Allez, allez, on va crever. Voilà, c'est bien. Donc là, normalement, là, voilà. Et paf, zone libérée du mal. Du coup, la deuxième Yanti est techniquement libérée de sa protection. Voilà, impeccable. Et là, normalement, vu que les deux sont tués. Oui, tu as quoi? Ce petit journal intime relié de cuir contient les notes rédigées à la hâte, dont l'écriture presque illisible. La plupart d'entre elles évoquent la création d'une sorte de gargouille conférant les pouvoirs magiques à l'allié du nécromancien. Allié qui est manifestement Baram, à en juger par la description qui en est faite. Voici l'un des derniers paragraphes. Les ultimes statues ont été cuites et les ruines requises ont été gravées à leur surface. Notre allié souhaite s'en servir sans attendre, bien que nous lui ayons dit qu'elle n'était encore fragile et qu'elle n'avait pas complètement prise. Il est beaucoup trop impatient. Je prends, je prends. Du coup, ça sert à quoi? Ouais, du coup, ça c'est une zone. On va se reposer d'abord. On va se reposer, on a eu pas mal de rebondissements, hein, nous dirons cela. On va explorer la porte Istrussi et aller dans le couloir. Et puis si l'incubation pouvait se barrer.
Putain, constitution des clés. Ah, j'ai mal. 2 points de vie. Oui. Alors, comment dire? Comment expliquer ça? Puis-je utiliser ma trousse de premiers soins? Non, en fait, ça sert à rien, cette connerie. Utiliser sur moi-même. J'ai toujours mes 2 points de vie. C'est pas cool. 2 points de vie, Mick. Mais cette blague! Une grosse blague, hein. Moi, je veux ma constitution qu'elle revienne. S'il vous plaît. Rendez-moi ma constitution. Oh la vache. Ah, oh, ça va être long. Ah, oh, j'ai pas un truc contre ça. Une bénédiction. Ah, bah si, attends, potion de bénédiction. Ouais. Trop bien. Trop bien. Je suis toujours dans la merde totale. Ah, antidote. Ah bah oui. Ah. Putain, les antidotes, ça sert finalement. Et en plus, là, j'ai un boost, donc du coup, on va en profiter. Les objets qui servent quand même, on ne savait pas. Alors là, on a quoi? On a cocon de toile d'araignée. Ouh, c'est pas grave. Je prends. Et on va tuer les araignées de phrase. Vous le méritez. Bah voilà, c'était pas si difficile que ça, les araignées. Et là, on a quoi? Encore des cocons. Plein de cocons. Salut. Salutations. Quoi? Les enfants. Ah. Ouais. J'essaierai. Tu m'as donné quoi? Oh, un ours en peluche! C'est un ours en peluche! Bon, déjà, je vais tuer Baram. Comme ça, j'aurais au moins tué Baram. Ce qui sera déjà pas mal, mais d'abord, repos. C'est important, le repos. Allez, on va péter les culs. Ah, évidemment. Évidemment, hein, ça aurait été trop simple de mettre une pièce. Lol. Ah, des petits strums. C'est un bordel. C'est un bordel. Ah, j'ai oublié de me remettre des potions dessus. Ah, je suis bêté. Prenez garde à ma colère. Pendant ce temps. Hein. Voilà. Prenez garde à ma colère. Allez, Dalin, s'il te plaît. Merci, Dalin. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre. Attends. Il y a un coffre, c'est trop bien. Ouais, premier soin plus 10. Dalin revient. Waouh, tu es rapide, Dalin. Impossible d'atteindre la cible. Bah. Et comme tu dirais, Dalin qui est devant moi, lol.
Faudrait qu'on se repose avant le combat là. J'ai coché un piège. MDR. Bah voilà. Donc. Ah, ok. On va se reposer demain. Ok, on va aller loin d'Alain. On va se mettre là-bas. Non mais on va se mettre là-bas. Et on va se repos. Au moins je garde au moins mes potions. Ce qui est cool. Et puis voilà. Allez on est go. On est go bar. Baram, Dalin. Salut copain. Bon, occulte. Moi je m'attaque de lui. Je m'attaque à eux. Parce que ça les brille. Yargou du bouclier de masse. Ah ok. Mais m'en fous de la définition moi. Forcé. Je me souviens du bouquin et maintenant toi tu n'as plus de protection techniquement. Alors, ça va? Tranquille la vie? Oh putain, Dalin il est en train de se... Dalin il est en train de... Comment t'es en train de bourrer Baram? Comment il a bourré? Ah, c'était magnifique. Alors. Oh, trop tard. Oh, tête de Baram, je prends. Morgenstern. Phoenix d'os, 8 kilos. Bon, bah, ça déjà, ça va aller ici. Tac. Ouh, le bot. Bot d'elfe. Altération d'extérieur. Oh, bah, celle-là, je vais prendre. Hein, je vais prendre pour ma gueule. Petite dague à vendre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Armure de cuir clouté plus 2. Ah, intéressant. Par contre, voilà. Parfait, parfait. Mais ben, Baram il est décédé. Alors, voyons si je le mets. Ouais. Rappelle-moi ce que ça fait, ça. Échec de sort profane. Ah, je peux utiliser un sort là-dessus, c'est cool. Je ne savais pas. Putain, je découvre qu'en fait mon armure avait un sort. Donc, qui porte d'armure légère. Ouais, et ça c'est quoi? Ah bah c'est une armure. Bon, je vais prendre celle-là. Celle-là, je vais la vendre maintenant. Voilà, maintenant mon perso sera bleu. Faudra s'y habituer. Ah, elle est où l'armure? Elle est là. Ah, par contre, ça me pèse dessus. Ouais. Prompt, je sauvegarde réflexe plus 3. Voilà. Ouais, quoique non. Si ça pèse aussi lourd que ça. J'ai plus de place, c'est ça. Allez. Bon. Mais c'est chiant ça. Voilà. Incroyable. Bien, bah tout ça c'est réglé, hein. Le méchant est mort. Le sarcophage, on va le crocheter. Ça aussi. Et ça aussi. Et celui là-bas aussi. Et là aussi. Et bah voilà, et bah tout cela sont très bien. Donc, on va aller voir dans le coffre. Double lame. Ah mais c'est cool ça. Ah, encore un saut. Alors la double lame par contre, on va la ranger. Le récipient est plein. Ah bah là c'est pas plein. Voilà. Bunk. Là on a petit sort.
Et là, grosse armure. Grosse armure de 30 kilos. Trop bien. Merde, il y a autre chose. De l'or. Et petit coffre, enfin sarcophage. Parfait. Bon, on va se rendre au temple de tir, on va vendre des trucs, on va se soigner, on va rendre des quêtes, et puis on va s'arrêter. Allez. Bonjour. J'aurai besoin de soins, premièrement. Merci. Et ensuite, on va te vendre des trucs. Genre ça, mais ça et ça. Et voilà. Bon, maintenant faut rendre les quêtes. Déjà je vais mettre du... Oh là là, c'est quoi tout ça? Pourquoi j'ai plein de quêtes en jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est une quête réussie. Alors, ok, les hommes sont morts, le seigneur des ghouls, ouais bon d'accord, et le roi des husques. Ah bon? Bah ouais. Ça c'est normal, c'est... Oui. Alors, le... oui, bon bah ça, tant pis. L'auberge du sabre, elle est là-bas. Ce sera une bonne petite session tout ça. Oh, je pense que ça va durer une heure et quelques. Mais tu vas arrêter de marcher? Incroyable ça. Où est Londa? Voilà. Vous, revoilà. Avez-vous trouvé mes enfants? Oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais la clé. Et ensuite, je dois trouver l'autre. Rain, je crois. Rain, oui. Il y a un mec qui est mort. Rain, un coffre. Et merde, où est Rain? Homme du peuple endormi. Merde, elle est où? Elle est où, Ren? Ah oui! Évidemment, c'est pas ici, c'est au truc là, la maison close. J'avais zappé. Mais. Elle est. Quoi? Elle est morte? Quoi? Mais qui pour? Mais quoi? Elle est morte. Elle est complètement morte en fait. Oh là là, faut que je retourne dans la crypte. Voilà. Bah j'irai plus tard. Ça se trouvait pas d'objet toujours utile. Ouais, puis j'irai même pas. Oui, donc. Domaine Jalal. Ah voilà, chatouille, clin d'œil. Demi-tour. Et on va voir Ren. On va dire que tout le monde il est décédé. Et puis on va s'arrêter là. Et je pense que le scan est presque complété. On restera à faire la tour des arcanes. Où est Ren? C'est toi? Eh, hey, hello, chérie. Non, c'est Bella. On vient prendre du... Non, ta gueule. Où est-ce qu'elle est, Bella? Elle doit être à l'étage. Elle doit sans doute être à l'étage. Mais... Ah,
Chambre Lorraine, chambre d'Yvette, chambre Lorraine. Là. Ici, au fond, à gauche. Et Reine, ici. Oh. Hey. Hey. Mais. Bonjour, vous. Mais non, mais. Oh. Hé, hey, je te kiffe rien. Mais non, mais ouais, attendez. Monsieur. Salutations. Salutations. Kurt. Ouais. Salutations. D'accord. Salutations. Ouais. Mais moi, non. D'accord. Bon, bah, Nick. Ouais, écoute-moi. Hey, bonjour vous. Parlez. Hey, mais. Bonjour vous. Ah, oh, faut que je monte la tête. La tête. Elle est où? Elle est... Ah merde, la tête. Ah bah si, elle est là. Tête de barame. Oh mais. Et moi j'ai une tête, j'en fais quoi, bordel? Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, bah, je me panique, en fait, hein, c'est ça. Bah, bon, bah... Bah, écoute, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, hein, écoute. Bon, bah, je sais pas. Je ne sais pas, hein. Bon, bah, s'il y a des gens qui savent, eh ben, merci de me répondre et de m'aider. Et ben voilà. Fin de cette petite session Neverwinter Nights. En espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, le partage, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, de me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights.